Bonjour les amis et bienvenue sur Tikok la bricole. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on change le capteur MAP, le capteur de pression du tuyau d'admission qui se trouve sur la 307cc 2 litres 138 chevaux 16V en essence. Donc ce capteur se trouve sur le boîtier papillon. Donc quand ce capteur est mort, on a des problèmes de ralenti. Premier démarrage, le véhicule broute beaucoup. Donc voilà les symptômes comme ça. Donc comme je dis toujours, changer ça va pas résoudre tous les problèmes de démarrage qu'il peut avoir sur ce moteur, mais ça fait partie des pièces qui créent ce problème quoi, comme la sonde de température. Donc voilà. Donc ça se présente comme ça. Hop. Voilà. Dessous c'est comme ça. On a trois petits connecteurs dedans. Et le numéro de la pièce, c'est le 02 61 230 058. Avec cette référence, on trouve la même pièce. Il y a deux sortes de pièces, donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir cette référence-là. Donc voilà. Et dans cette même vidéo aussi, je vais vous montrer rapidement, je dis rapidement, où se trouve la vanne EGR et comment elle est fixée. Pour ceux qui veulent la changer ou la démonter pour la nettoyer, puisque c'est pareil sur ce moteur, il y a des problèmes avec cette vanne EGR. Donc voilà. Donc je vous dis à de suite sur le véhicule pour montrer comment on change le capteur MAP et comment démonter la vanne EGR. Allez, à de suite. Et surtout, n'oubliez pas de rejoindre le groupe Facebook de la chaîne. Allez vous abonner à la chaîne. Et partager. N'oubliez pas d'aller voir le utip aussi, regarder une petite vidéo, c'est gratuit, ça rapporte quelques sous pour la chaîne, pour faire avancer la chaîne et les projets. Donc voilà, donc je vous dis à de suite sur le véhicule. Thank you.